Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour faire un nouveau tuto, donc des tutos, donc un tuto d'appartement moderne comme vous pouvez le voir ici. Donc moi je les trouve vraiment magnifiques ces appartements, j'espère que vous aussi, j'espère que ça va vous plaire. Donc ces bâtiments que j'ai fait en compagnie d'un abonné qui m'a aidé à la conception en fait de ces bâtiments, donc c'est Idéfix, donc je tiens à le remercier. Donc merci à lui pour m'avoir aidé à faire ces bâtiments et du coup on va les faire en tuto les gars. Donc vous pouvez voir qu'ici on en a deux, l'un à côté de l'autre, et moi je vais en faire un en plus pour le tuto. Donc c'est des bâtiments que vous pouvez coller l'un à l'autre sur sur plusieurs mètres de long pour vraiment faire plein de bâtiments comme ça. Vous pouvez voir que ils sont symétriques et c'est vraiment bien pour faire pas mal de bâtiments comme ça. Donc on va en faire un. Ah donc on va venir ici sur la gauche. Donc ici vous voyez qu'on a un mur. On a un mur en béton gris clair. Et ce mur, vous ne l'aurez pas. Moi, je l'ai déjà fait parce que c'est celui qui termine ici, celui-là. Mais ça, ce mur-ci, vous devrez le faire en fait. D'accord? Et ce mur, il fait 18 blocs ici sur le bas. Donc sur tout le bas ici, il fait 18 blocs de béton gris clair. Donc jusqu'ici. Hein. Et en hauteur, il fait 17 blocs. Ok? 17 blocs de hauteur. Donc je vous rappelle que ce mur là vous devez le faire, d'accord? Moi je ne le fais pas car il est déjà là, mais vous devez le faire, j'insiste bien là-dessus parce que vous en aurez besoin pour faire le bâtiment. Donc 18 blocs sur le bas et 17 blocs en hauteur, d'accord? Une fois que vous avez fait ce mur, on va pouvoir ici venir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 blocs. Et là vous remettez un bloc comme ça. Ok, pour avoir un autre mur. Donc je dis bien 14 blocs d'écart. Là vous supprimez ici tout ce qu'on a fait là. Et vous pouvez donc refaire le même mur que là. Donc on avait bien dit 18 blocs ici sur le bas et 17 blocs en hauteur. Alors hop, je regarde si je suis bien à la même hauteur. Voilà. Donc on fait le même mur. Hop. Comme ça, on a déjà notre mur, enfin nos deux murs qui sont faits. Alors voilà. Donc, on va se retrouver tout de suite après, après avoir fait ce mur-là, ok? Allez, à tout de suite. Alors, les gars, vous pouvez voir que j'ai terminé de faire le mur de gauche. Donc maintenant, on a notre mur de droite et notre mur de gauche qui est fait. Ok? Donc, vous pouvez remarquer, ils sont à la même... ici, ils sont aussi à la même, au même niveau. Ok? Donc, on est bon. Une fois que c'est fait, vous pouvez supprimer, enfin vous n'aurez pas les dalles, hein, parce que moi je les avais fait pour le trottoir, mais on supprime ça ici. Et à la place, vous pouvez mettre des escaliers en briques. Alors, hop. Hop, hop, hop. Ici, et vous mettez des escaliers en briques de pierre, comme ça. Voilà. Ici, vous pouvez voir que le trou est déjà fait pour... enfin, que le béton gris clair est déjà placé. Mais ici, vous pouvez voir qu'on a de la terre. Donc là, vous remplacez hein, tout simplement. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir ici à 1, 2, 3 blocs. Et là, vous allez poser du béton gris. Et vous allez faire une ligne de béton gris ici. Jusque ici, vous devez laisser 3 blocs également. D'accord ? Puis vous repartez d'ici et vous faites ça jusque ici, il doit avoir deux blocs, vous voyez, 1, 2 pour arriver au même niveau que là. Et là vous devez laisser comme ça. Et là vous refermez de cette manière. D'accord? Donc on a bien dit ici, vous voyez, on a deux blocs. Ici on a trois blocs. Et là on a trois blocs également. Ensuite, on va pouvoir monter cette structure avec le béton gris jusque... Hop, hop. Jusque... Ici, vous voyez que le béton blanc là, donc on doit laisser 1, 2 et 3 blocs d'écart, ok? Et ici, vous pouvez refaire le même, donc hop, ici, on recommence ici pour avoir 1, 2, 3 blocs d'écart, ok? Là, vous revenez comme ça. Et là, pareil, on doit avoir ici deux blocs à ce niveau-là. Voilà, comme ça. D'accord?
Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ici remplir tout. Donc, vous voyez tout ça ici, hein. Tout, hop, je vais vous montrer, vous remplissez tout ça sur la hauteur en fait. Donc ici j'ai seulement fait les deux premières lignes de cube, mais vous remplissez tout jusque ici en haut en fait, d'accord? Et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir refaire la suite. Donc on va se retrouver tout de suite après, ok? Allez, à tout de suite les gars. Alors voilà les gars, vous pouvez voir que j'ai terminé de tout combler le mur, donc ici à ce niveau-là, sur cette face-là aussi, et derrière aussi. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre le béton blanc. Donc moi je prends le béton blanc, je viens ici à un des quarts. Hop, et j'en mets un juste au-dessus du niveau du béton gris. Je fais cette ligne et je la continue jusque l'autre mur. Et pour devant, c'est pareil. Donc ici je me place à un bloc et je fais le même jusque l'autre côté du mur. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir... Hop, refaire, mais ici, là-bas. Et là, vous n'avez plus qu'à combler le vide ici, les gars. Et on va se retrouver tout de suite après, ok? À tout de suite. Alors, vous pouvez voir, les gars, que j'ai terminé de faire cette bande blanche. À ce niveau-là, j'ai tout comblé. On va pouvoir prendre les vitres teintées en noir et ici, en mettre juste ici au-dessus. Et le même ici. Donc, hop, on referme, tout simplement. Voilà, une fois que c'est fait, on peut remarquer que notre bâtiment commence à prendre forme. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir prendre, c'est reprendre le béton blanc, venir comme ici. Donc vous venez au niveau, voilà, donc ici vous pouvez remarquer qu'on avait fait le haut ici. Et là, on doit laisser 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur, ok? Donc 1, 2, 3, 4, et donc à 4 blocs, au cinquième bloc ici, vous devez faire... ici en béton blanc. Vous faites votre ligne qui va continuer jusque l'autre mur. Hop. Et là, on va tout combler ici. Donc, hop, tout ici. On comble tout. Voilà. Là également, hein, vers l'intérieur, on comble tout. Voilà. Et on s'arrête ici, un bloc ici en fait, avant. Et vous pouvez mettre de la vitre teintée en noir comme ça. D'accord? Là, pareil. Hop, juste devant, vous mettez de la vitre teintée en noir. Ok? On va faire pareil en dessous, les gars. Donc, hop, on descend. Alors là, le même. Donc, 1, 2, 3, 4. Et au cinquième, on met notre béton blanc. Et là, on fait le même. Donc, on rejoint l'autre mur. Hop. Et on referme tout de béton blanc. Voilà, jusqu'au même niveau ici, avec un bloc d'écart. Et là, on remet la vitre teintée en noir ici et là-bas. Voilà. Vous pouvez voir qu'on a terminé aussi ça. Vous pouvez ensuite prendre les boutons, pour donner toujours un peu plus de détails. Venir ici, vous laissez un bloc. Et là, vous faites 1, 2, 3. Pareil dessus, donc on laisse un bloc. 1, 2, 3. Et pareil ici, 1, 2 et 3. Tout simplement. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer au sol. Donc, vous prenez de la pierre taillée, vous cassez tout le sol. Donc, vous cassez tout le sol, hein, ici, ici, jusque ici également. Vous cassez tout le sol, vous cassez tout l'herbe. Et vous remplacez toute cette herbe, comme ici, par de la pierre taillée, tout simplement. Et on va se retrouver tout de suite après, ok? Allez, à tout de suite, les amis. Alors, vous pouvez voir, les gars, que j'ai terminé de mettre de la pierre taillée. Donc tout partout ici, hein, vous pouvez remarquer, comme là-bas. Une fois que c'est fait, on prend les vitres teintées en gris clair. Et à chaque fois ici, donc vous laissez ici 1 et 2 blocs, et vous faites 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Donc pas de difficulté pour faire ça, d'accord? Vous faites pareil au-dessus, donc hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Et encore une fois, ici au-dessus. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout simplement, c'est vraiment pas difficile. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre
barrière en sapin et les feuilles de chêne. On va se rendre ici à un bloc, ici, un bloc d'écart du mur, et faire comme ça des petits arbres, tout simplement. On fait ça là, on fait ça ici, et on fait ça au troisième aussi. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend les murs en pierre. On va se rendre ici à 1, il doit y avoir 2 blocs d'écart. Donc on fait pareil nous. 1, 2 blocs d'écart, puis on en met 1. Puis là on laisse un bloc d'écart et on en remet un ici. Et on peut monter comme ça jusque ici. Un bloc, enfin au même niveau des vitres, ok? On a fait ça avec le premier et on fait ça avec le deuxième aussi. Voilà. Vous pouvez remarquer que la façade du devant est terminée. On va maintenant s'attaquer à l'arrière. Pour l'arrière, ce n'est pas difficile. C'est même encore plus facile que pour le devant. Vous venez ici à deux blocs, 1 et 2 d'écart. Et au troisième, vous mettez vos piliers, enfin vos murs en pierre de cette manière. Et vous faites pareil ici, donc vous laissez un bloc et hop, on recommence. Voilà. Ensuite, vous faites ici un trou là, là et là. Il doit avoir ici deux blocs de béton gris et là un bloc. Vous prenez ensuite les escaliers en quartz que vous mettez à l'envers. Et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous remplacez. Et vous allez pouvoir mettre de la vitre teintée en noir. C'est de la vitre teintée en gris clair, ok. Et vous en mettez de cette manière-là. Là, on recommence. On laisse 1 et 2 blocs. Et là, on recommence. Pareil ici, on laisse 1 et 2 blocs. Et on recommence. Voilà. On peut remarquer que l'arrière du bâtiment est fait de la même manière que les deux qui sont là. Et donc ça c'est cool. Ensuite on vient ici. On laisse 1 et 2 blocs ici. Là vous faites une porte 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour avoir notre première maison ici. Alors là, moi j'ai fait comme si c'était des appartements séparés. Donc on aurait un bâtiment, enfin un appartement ici, un appartement là et un appartement là. Donc ça fait 3 appartements pour ici. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas mettre des escaliers comme moi j'ai fait à l'extérieur et faire une grande maison en fait. Donc tout ça, ce serait la même et unique maison et vous faites vos escaliers à l'intérieur. Mais moi je préfère faire des appartements séparés, donc je fais une entrée à chaque étage. Donc je fais une entrée ici. Vous remplacez ici, enfin on va faire ça après, donc ici pour l'instant on a fait notre entrée. On va au-dessus, on fait pareil, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, d'accord? Et ici encore, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous pouvez remarquer que nos entrées sont ici, ici et ici. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est enlever toute la terre ici. Et mettre tout du béton blanc. Pareil, ici, vous enlevez tout. Enfin, vous enlevez rien parce que c'est de l'air, en fait. Vous mettez tout du béton blanc. Et là, pareil, vous mettez tout du béton blanc. Pour avoir nos trois niveaux, nos deux étages, en fait. Ok. Donc, je répète, vous mettez du béton blanc ici à la place de l'herbe. Vous mettez du béton blanc ici. Et vous mettez encore du béton blanc ici sur toute la surface. Et on va se retrouver tout de suite après, ok. Allez, à tout de suite. Les gars, vous pouvez voir que j'ai terminé de mettre du béton blanc au premier niveau ici. Également ici au deuxième niveau. Et également au troisième niveau. Donc une fois que c'est fait, on a bien nos trois étages distincts, donc nos trois niveaux distincts. Et il nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est faire les escaliers, vous voyez ici sur les côtés. Ça c'est la dernière chose qu'il nous reste à faire. Pour cela, vous allez prendre les escaliers de quartz. Et vous positionnez ici à 1, 2 et donc vous devez laisser en fait ici 1 et 2 blocs d'écart. Puis on met un escalier
Encore un comme ça, et comme ça pour en avoir 4. Par derrière, vous mettez des escaliers à l'envers pour toujours que ça fasse un peu plus beau. Alors là, pour ici, vous allez faire 1, 2, 3 et 4 pour avoir l'escalier ici. D'accord? Puis on recommence plus haut. Donc on revient à ce bloc-là. Et on recommence 1, 2, 3, 4. On recommence à faire les escaliers à l'envers. Là, c'est pareil. Donc 1, 2, 3 et 4. On recommence au dernier niveau ici. 1, 2, 3, 4. On recommence en mettant les escaliers à l'envers. Et là, on fait pareil. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, donc, on arrive sur notre terrasse tout en haut. Vous pouvez prendre les vitres teintées en noir et ici faire un petit, une petite rambarde en fait à ce niveau-là. Puis pour ici, pour les escaliers, vous allez faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous allez monter ça jusque le plafond. Donc hop, ici. Et voilà. Donc vous faites ça pour ici. Vous faites ça ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, jusqu'en haut. Et en bas également. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite ici, vous pouvez par exemple fermer de cette manière. Voilà. Une fois que c'est fait, on a terminé, je pense. Après, petite astuce, vous pouvez par exemple mettre des poubelles. Donc vous prenez un chaudron avec des tapis, par exemple rouge, jaune et vert. Et là, vous pouvez par exemple mettre des poubelles ici. Donc 1, 2 et 3. Moi, par exemple, je peux mettre ça comme ça ou alors ici. Vous faites ça de cette manière-là pour vos poubelles. C'est pas mal, ça rend un peu plus sympa aussi. Vous pouvez par exemple faire... Enfin, moi, je vais le faire sur toutes. Hein. Hop, donc j'ai mis d'abord le rouge, le jaune, puis le vert. Et là également... Voilà, on a nos poubelles qui sont mises, ça c'est sympa aussi comme astuce. Et je vais tout regarder, mais normalement on en a terminé. Ensuite, par exemple avec la porte aussi, ça je vous ai pas montré. Mais vous pouvez par exemple prendre les vitres teintées en noir et faire une porte de cette manière avec une vitre qui est de couleur différente. Par exemple une vitre teintée en gris clair pour faire la poignée, voilà, comme ça. Vous faites ça, donc vous faites ça partout. Ouais, c'est juste ici que ça pose problème. Ça, par contre, c'est... Ça, j'avais pas regardé. Peut-être que pour là, vous pouvez le faire à ce niveau-là, la porte. Je pense pas que ça pose un souci. Ou alors, vous faites vers l'intérieur. Voilà, de cette manière-là. Et là, pareil. Voilà. Et donc, ça, c'est fait également. Ensuite, vous pouvez, par exemple, rajouter un peu de... Par exemple, des feuilles... deux chaînes par exemple ici, hein. Vous pouvez en mettre deux pour faire un peu plus de mettre un peu plus de nature, enfin de végétaux. Voilà, donc c'est fait. Après, à vous d'aménager l'intérieur aussi. Là, je vous ai montré vraiment l'extérieur. Donc là, vous pouvez voir qu'on en a fait un ensemble, mais moi je vous conseille d'en faire plein comme moi j'ai fait l'un à côté de l'autre, hein. Vous avez juste pour recommencer à en faire un, vous avez juste à regarder le tuto une deuxième fois pour ensuite en faire vraiment à l'appel en fait, hein. Vous pouvez vraiment en faire plein à la suite. C'est vraiment pas compliqué, c'est toujours le même. Et vous pouvez remarquer que quand on est sur ce plan là, ça rend vraiment super bien, moi je trouve. Donc voilà. En tout cas, le tuto est terminé. C'était Cardex. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos, de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à liker et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.